Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre album bébé, les 12 premiers mois de bébé avec le bloc Focus on the Good de chez Action. Donc le but c'était de faire un album qui retrace les 12 premiers mois du bébé. Donc j'ai utilisé également ce papier de base de chez Action, les trois couleurs. Donc j'ai utilisé le craft épais et le craft fin. Tout le bloc y est passé, il ne reste plus rien du tout, du tout. Et des dies de chez Action également, quelques rubans. Voilà. Alors, des dies parce que dans l'album, il n'y a pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup de déco hein, pour voilà, embellir ce papier qui était déjà très joli. Donc voici la couverture. C'est un album qui fait 22 de haut sur 16 de large avec une tranche de 6. Donc voici la tranche et le dos qui est tout simple. Ici, c'est les 0 mois. Donc c'est vraiment la naissance de bébé. J'ai utilisé un die de chez Action. Et on l'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, nous avons deux espaces photo faits pareil avec le dies qui était dans le set de cette petite boîte aux lettres que je trouvais très jolie et de circonstance pour une naissance. Donc, c'est un album dédié à un bébé garçon. Mais bon, il peut très bien aller pour une petite fille hein, parce que les couleurs sont assez neutres. Voilà, alors on l'ouvre ici avec un ruban, j'ai mis des petits coins, j'aime bien, ça finit plutôt bien l'album. Donc hop, on l'ouvre comme ceci. On a ici le premier mois du bébé, fermé avec un ruban, un rabat comme ceci, ici une carte. Une carte avec des espaces photos. Ici, on ouvre comme ceci. Et on a encore un joli espace photo avec les fonds reconstitués de toutes nos chutes. Voilà. Hop, ensuite. On arrive au deuxième mois de bébé, donc j'ai utilisé les cartes qu'il y avait dans le bloc. Et avec les dies de chez Action, j'ai découpé comme ça les chiffres. Ensuite, on ouvre comme ceci un rabat, hop, qui s'ouvre encore comme cela. Donc ici, on retrouve des stickers montés sur du papier craft pour faire des she-birds. Ici, pareil, avec des sentiments. Hop, la page numéro 3. Donc, toujours, on retrouve toujours les découpes matées avec du craft pour certaines. Les étiquettes. Ici, on l'ouvre comme ceci. Et comme cela. Voilà. Ici, on ouvre. À droite, on retrouve les petites découpes canards. Pareil, chez Action, hein, ce sont que des dies de chez Action. Ici, on ouvre comme ceci, avec des espaces photos. Je referai le ruban plus tard. Ici, on a le cinquième mois tenu avec des aimants. Donc, on ouvre comme ça et comme ça. Voilà, on retrouve toujours mes découpes, enfin les stickers montés pour faire des
faire des petits embellissements plus jolis, je trouve. Ici, des petites découpes, une découpe montée sur une mousse 3D. On ouvre comme ceci et comme cela. Voilà. On retrouve les fonds ici. Des fonds reconstitués. Là, on ouvre comme ça. Nous arrivons au 7e mois. Une petite pochette avec un livret et 3 espaces photos. Ici, on ouvre là. Et encore comme ceci. Donc, ce papier est très très joli. Hop, ici, on est sur le 8e mois. Donc, on ouvre comme ceci. Encore comme ça. Voilà. Des espaces journaling pour y glisser un petit mot, un petit commentaire. Des espaces photos de couleur. Et ici, nous arrivons sur le 9e mois. Donc, on ouvre avec un aimant comme ceci, cette fois-ci vers le haut. Ici, hop, un espace photo. Des petites découpes, là pareil. Et on ouvre vers le bas. Voilà. On referme le tout. Et ici, nous avons la page, le mois numéro 10, avec des petites découpes, toujours de chez Action. Ici, une page avec des petites découpes pour faire un journaling. Ici, un petit sentiment. Et là, nous avons une page avec un stop, une carte découpée du bloc et un petit livret et un espace photo. Voici, tenu avec des aimants. On arrive sur le 11e mois. Donc, on l'ouvre comme ceci. Comme cela. Voilà. Et la dernière page pour le 12e mois s'ouvre comme ceci. On retrouve ici un stop pour y glisser encore des espaces photos. Et ici, hop, encore des espaces photos et des jolies petites découpes. Et voilà, voilà. Hop. Alors, et nous avons dans chaque page, donc une page pochette avec ici des espaces photos. À chaque fois, on retrouve un espace photo avec ce dies que j'ai utilisé pour faire la boîte aux lettres. Donc on a cinq, voilà, cinq cartes comme ceci pour y coller des photos, hein. Ou autre chose, hein, écrire un mot, une lettre, voilà, on peut vraiment l'utiliser pour tout ce qu'on veut. Voilà, voilà cette présentation d'album Naissance. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne journée, ou soirée, ou nuit. Et on se retrouve pour notre prochaine aventure. Bisous, bisous.